On est dans mesure d'urgence. Attendez, je vous dis d'abord ceci. Écoutez la musique, c'est d'abord pour méditer un peu. On médite, ok? Donc, tu vas seulement attendre ta lecture, Yves. Je n'ai pas lu les gens depuis le 7 mars. Tu vas attendre, tu as compris? Tu as compris, Yves? Oh, you know, Yves. I'm going to Yves. Écoutez le message que j'ai pour vous là. Écoutez, écoutez. Laissez les lectures de cartes. Je vais vous lire. Écoutez. Il y a un cri de guerre dans l'atmosphère. Ça, je vais utiliser la petite musique. Merci comme Kumbasa. Je mets la lumière sur vous. C'est les paroles que je vais vous dire maintenant. Vous éclairent. Que vos guides soient présents ici. Qu'ils vous rappellent et qu'ils vous confirment ce qu'ils vous ont déjà dit à travers moi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes les précurseurs. Vous êtes les précurseurs.
On vous a envoyé au devant. Vous êtes les précurseurs. Et actuellement, vous êtes très attaqués. Tu as reçu ton appel, tu as reçu le coup d'envoi pour te déplacer, aller sur un autre continent. Parce que tu savais que tu devais faire des choses là-bas. Depuis que tu es arrivé, tu es attaqué. On me dit, te dit que tu as dépassé le niveau où une confrérie va te contacter. Tu peux apprendre la puissance chez eux. Tu n'as pas besoin de leur puissance. Tu es en train de devenir comme la larve. Une larve, tout ce que tu touches, tu brûles. Donc vous allez voir la vengeance qui va s'accentuer autour de vous. Il y a des personnes qui vont vous faire du mal. Que même si tu veux, tu intercèdes même pour la personne. C'est trop tard. Je viens de parler avec une amie, elle me dit, il y a une femme qui la persécute depuis des années. Et la femme est vachement plus jeune qu'elle. Et on vient lui annoncer que la femme est décédée. Et elle dit que souvent elle restait comme ça, là, sous le coup de la pression de l'autre personne. Elle pensait, elle m'a dit, mais elle disait que non, elle n'a jamais osé. Je vous ai dit que depuis le 24 février, qui était la pleine lune du mois dernier, nous sommes en bataille. Certains d'entre vous sont en train de partir dans le royaume des ténèbres pour prendre votre mari. Certains sont en train de partir dans le royaume des ténèbres pour prendre votre business. Certains sont en train de partir pour prendre votre titre de séjour. Mais vous êtes en train de recevoir de l'aide. Certains parmi vous, vous êtes appelés à gouverner. Tu sens que tu seras premier ministre, que tu seras député d'une ville. Et actuellement, tu ne connais personne. Beaucoup d'entre vous, vous portez tellement sur vos épaules. Et souvent, vous avez l'impression que c'est trop pour vous. On me dit, je te dis que ce n'est pas trop. Reçois cette lumière-ci. L'instruction que vous avez, ceux qui ont le romarin chez eux, vous allez bouillir un demi-verre de sel, un demi-verre de sucre. Si tu as assez, tu peux faire un verre de sel, un verre de sucre, dans 5 litres d'eau. Tu fais bouillir pendant 15 minutes. Tu éteins le feu. Tu mets le romarin dedans. Tu couvres. Tu laisses pendant 30 minutes. Je ne cause pas avec les gens. Je ne fais pas les éventuelles causeries. Je ne fais pas les causeries. J'ai beaucoup à faire. Donc, tu couvres. Cette eau va être utilisée pour dégager les mauvaises énergies de votre corps. Beaucoup parmi vous, les batailles que vous avez depuis presque un mois, c'est accumulé dans votre chair. Ça fait mal. Donc, vous allez vous masser le corps avec. Tu verses sur toi, tu laisses ton corps sang. Ça sent le romarin, pas de problème. Si c'est le clou de girofle que tu as, tu mets beaucoup de clou de girofle dedans. Si tu n'as pas bien suivi, tu vas écouter ma vidéo après. Tu ne veux pas écouter, tu laisses. Ok? Voilà, je ne force pas les gens. Une partie, tu te laves avec, l'autre, tu vas mettre tes pieds dedans. Donc cette eau, tu dois la diluer. Parce que quand tu vas finir de bouillir, ce sera très concentré. Donc, tu mets tu dilues dans de l'eau, tu mets les pieds dedans. Quand tu finis, tu allumes la bougie. Cherche le romarin au marché, monsieur. On ne peut pas avec. C'est comme le thym, mais ça s'appelle romarin. On ne peut pas avec. On fait le haricot avec le romarin. Tu allumes la bougie en mettant les intentions. Toute mauvaise énergie que j'ai portée,
Comme ça sort là, ça ne reste pas dans ma maison. Avec cette lumière-ci, je les chasse de ma maison, qu'ils partent, ils retournent dans les abysses. Vous êtes en train de vous fortifier. Avant, tu pensais que tu devais compter sur quelqu'un. Tu pensais que tu avais besoin de l'apport de quelqu'un ou de l'aide ou de l'appui de quelqu'un. On me dit de te dire que tu n'as besoin de personne. Tu es peut-être seul à comprendre ce que tu comprends. Tu es seul à croire ce que tu crois. Et parfois, tu te dis, est-ce que tu es assisté? Tu as des guides. Tu as des aides. Yves Kadje, tu vas te bloquer. Tu viens mettre la recette ici, pourquoi? Celui qui ne veut pas regarder ma vidéo, après, il part. Tu sais, après, tu ne veux pas remettre ça pour regarder, tu pars. Je ne suis pas dans les trucs, ou ça. Tu fais rejouer ça, tu écoutes. Tu ne veux pas rejouer, tu pars, tu quittes. Tu es assisté. Même si tu ne connais personne dans la ville où tu es, on va t'amener vers les personnes appropriées. Tu as des guides, tu as des aides. Parfois le matin en sortant, tu peux allumer ta bougie, tu laisses à la maison. Ça brûle. Tu laisses seulement sur un endroit où ça ne peut pas toucher quelque chose. Tu pars. Peut-être tu mets sur les carreaux, où il n'y a pas de bois. Pour beaucoup d'entre vous, vous étiez en train de construire. Tu es en train de construire les choses, des fondations. Parfois, tu es dans un pays, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que je dois être là-bas. Tu veux partir, on te bloque. Tu veux partir, on te bloque. Parce qu'il y a quelque chose que tu es censé faire là-bas. Et on me dit, te dit que bientôt, ça aura un sens. Tout ça aura bientôt un sens. Bientôt, tout ça va prendre forme. Très bientôt. Tu es en train de vaincre des entités familiales qui ont bloqué ta grand-mère, bloqué ta mère, qui ont commencé à bloquer ta vie. Et quand tu vas te libérer, tes enfants seront libérés. Personne n'a jamais été connu dans ta famille. Te voilà. On te connaît déjà, non? Tu es en train de devenir célèbre, tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Je n'aide pas les gens. Je donne les enseignements, tu écoutes, tu mets en pratique. Si tu ne veux pas mettre en pratique, tu quittes. J'ai les kits, tu achètes mes produits, tu utilises sur toi là-bas à la maison. Tu ne veux pas étudier, utiliser, tu quittes. Je suis déjà de manière ici que je travaille sur toi, toi-même tu travailles encore jusqu'à. Simon, je ne suis pas dans le noir. Peut-être que tu es noir et tu es dans le noir, c'est pour ça que tu me vois dans le noir. Vous êtes en train de libérer votre famille. Certains d'entre vous, vous portez le combat de 50 personnes sur vous. Oui, 50 personnes. Tout ça sur toi. Il y a le travail spirituel à faire. Paye le travail. Dans maximum 10 jours, je suis au Cameroun pour travailler sur les gens. Tu m'as écrit sur WhatsApp. Si tu écris à 22h, c'est normal qu'on ne réponde pas, ma chérie. On va te répondre demain matin. Ok, Mélissa?
Il y en a parmi vous, vous connaissez exactement ce qui se passe. Vous savez à quel niveau vous êtes. Mais beaucoup d'entre vous, vous vous cachez. Si tu as besoin d'aide, beaucoup d'entre vous, vous travaillez sur vous, vous-même. Il y a un moment où ce n'est pas toi qui va faire le travail sur toi. Arrêtez ça. Tu as besoin de quelque chose. Tu peux savoir peut-être que non, il me faut juste un lavage. Tu peux savoir que non, c'est un coq qu'il me faut. Tu peux savoir que c'est... Tu écris à mon standard, tu dis que je veux que la reine me fasse telle chose. Non, vous allez rester là que... Ah, comme ça, c'est comme ça que tu es en train de durcir toi-même ton chemin. Sur ma page, je veux les personnes qui sont conscientes spirituellement. Si tu vas venir ici pour que j'essaie de te convaincre que viens à l'église, il n'y a pas d'église, ne viens pas. Que connecte-toi, ne te connecte pas, quitte, ne regarde pas mes vidéos. Lave-toi au sel, ne te lave pas au sel, tu as compris. Ne te lave pas au sel, ça va te manier. Oh, manio, popon, poyou, non. Ça va bien te menacer, tu vas voir. Levez-vous pour faire votre travail spirituel. Maintenant, dans la journée, j'ai fait une vidéo où je vous disais, je vous prévenais du fait que vous devez travailler sur les personnes qui vous entourent. Beaucoup de femmes, vous oubliez de travailler sur vos maris. Tu connais la pression que le gars a supporté sur toi. Hein, mamie? Est-ce que tu connais même? Tes 5 minutes de folie qui te prennent souvent là, jusqu'à ce que tu sors de ton corps, tu laisses place à 50 personnes. Et il supporte. Quand tu reviens en toi, il est là. Travaillez sur vos maris. Maintenant, vous voulez rester, regardez-moi comme la photo. Vous avez suivi. Et sur la photo dans ton téléphone, non. Tu l'as à 22h, tu me regardes dans ton téléphone sur la photo, n'est-ce pas? Continue. Continue bien, tu as compris. Continue. Loretta, tu tiens à me remercier pour les enseignements. Merci beaucoup. Merci. Donc, les lavages se feront pour le début du mois d'avril. Le numéro est dans la bio là-bas. Il vient d'écraser les fesses d'un mauvais esprit ici là. C'est quand ça a explosé. Son testicule droit a explosé ici sur la bougie ici. Le numéro est là, c'est le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Il y a les lavages à distance qu'on fera sur les gens. En début de mois, je fais les lavages. Peut-être tu as une situation qui est bloquée depuis. Tu attends un crédit bancaire, ça ne vient pas. Tu attends, quelqu'un dit que je vais te donner tel jour, ça ne vient pas. Certains hommes n'aiment pas. Tu travailles sur ton homme, tu lui dis pourquoi. Hein, chérie? Bonsoir, monsieur Moke. Tu lui dis pourquoi. Au Singanaka. Oui, que l'esprit là ne pourra plus accoucher. Seigneur Jésus. Maman, moi, mes followers, vous êtes fous. Vous êtes sur le cœur. Il y a le cœur. Donc, il y a un truc dans votre tête d'un peu là, c'est le cœur. Il y a les rituels de détachement. Il y a les rituels pour couper les cordes. Détachement, c'est 30 000. Couper les cordes, c'est 10 000. Blindage, 30 000. L'offrande à l'eau. Ça, en fonction de l'amplitude de ton business, tu sauras ce que je dois faire sur toi. Si tu as un business que tu tournes dans les 15-20 millions le mois, tu n'as pas dépensé moins de 500 000 par mois sur toi. Si tu veux, tu ne dépenses pas. Tu as compris. Ne dépense pas. Tu as compris. Voilà. Quand vous voulez tout, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Voilà.
Moi, il vous connaît. Souvent, tu travailles sur toi, quelqu'un meurt. Quelqu'un autour de toi meurt. Il ne faut pas dire que... Peut-être c'est la personne qui te bloquait qui meurt. Parce que c'est ce que vous voulez sauver tout le monde. L'offrande à l'eau, il y a le sacrifice de coq, sacrifice de bouc, ou bien le mouton, ou le bœuf. C'est à vous de savoir ce qu'on va faire pour vous. Tu veux le kit fondation, ça dépend de ton pays. Tu es où? Tu es dans quel pays? Chantal, bonsoir. Si tu es en France, le kit va te coûter 230 euros. Le numéro est dans la bio. 237 6 93 50 22 66. Ceux qui n'ont pas de business stable comme les électriciens, payent un laval à distance. 50 000. C'est vous qui vous donnez les excuses pour que l'argent ne vienne pas dans votre main. L'argent doit te donner seulement une excuse. Je ne sais pas comment je peux dire. Tu peux même ne pas avoir de profession. Je connais des filles. Il y a une de mes filles là, elle a 600 000 le mois. Chaque mois, sa dîme, c'est 60 000. Jusqu'à ne blague pas. Elle est étudiante. C'est son gars qui s'occupe d'elle. Il a 600 000 par mois. C'est vous que vous êtes gna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 gn
T'as besoin de quelque chose. Lève-toi, tu écris. Lève-toi, bouge-toi. Quand tu fais la nourriture à Carrefour, tu te lèves, tu vas chercher à Carrefour, non? Hé, hey, qui est? Nathaniel, tu fais quoi aussi? Bouge-toi. Où est-ce mon beau visage qui va vous délivrer? C'est mon beau visage. Ok. J'ai donné le message que j'avais donné. J'ai donné le message que j'avais donné, n'est-ce pas? Comment faire pour sortir la masturbation? Non, je n'ai pas le prédit pour ça, papa. Il faut prendre le kit mari de nuit ou femme de nuit. Masturbation, ça vient de ces gens-là. Tu as compris? Et je ne veux pas que tu laisses. Quand tu demandes le produit comme ça, c'est parce que tu demandes qu'ils te disent que prends le sel, tu fais comme ça là. Je vends mes produits. Tu as compris? Tu attends qu'ils te disent que prends le sel. Tu mets comme ça là, après tu vas arrêter de masturber. Il faut des produits bien plus forts que ça. Et vous connaissant, que vous n'aimez pas acheter les produits spirituels là. Vous savez, quand vous postez souvent certaines questions là, je ne me casse même pas pour vous. Parce que ces questions te disent, je ne vais pas acheter. Tu peux sortir 5000 francs pour acheter un produit pour aller pas arrêter la masturbation. Parce que tu aimes la masturbation, tu aimes ça. Oui. Quand tu finis, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il faisait comme ça? Allez. On relance. Thierry Fogan, voilà le standard. Hein. Tu crois que c'est dans les commentaires que tu vas trouver ton produit. Hein? Tu me connais même. J'ai fait te bloquer même. Va te masturber ailleurs. C'est quoi? Voilà le. Prends le numéro sur la page là-bas, tu écris. J'ai donné le numéro ici même 4 fois. Personne n'a noté. Ne notez pas. Voilà. Je vais même bavarder ça à 22, 24 ou c'est 22 heures. J'ai dit ce que j'avais. J'ai obligé de donner le message que j'avais pour vous, non? Ceux qui ont compris, ont compris. Commencez ça demain à 6h. Ok? Il y a pas, la boutique à Yaoundé n'est pas ouverte pour le moment. Donc, vous écrivez à Douala, on va vous envoyer. Produit pour masturbation, tu demandes le kit mari de nuit. Produit de déblocage, c'est en kit. Si elle te force pour que tu achètes le produit, ce que tu vas déposer sur ta table, sachez que vous combattez des esprits pour pouvoir prendre un produit pour utiliser. Tu vois, quand tu tombes sur ma vidéo, tu dis que il faut acheter les produits de la femme-ci. Ils sont là, ils disent que non, tu veux nous chasser de ta maison. What if ils disent? L'argent là doit finir. Nathaniel, tu sors, je t'avais chassé sur TikTok. Ne viens pas ici. Pour lancer tes affaires, fais le bain de pipi déjà. Intègre le bain de pipi dans tes bains. Si tu viens d'entrer dans le direct, je vais finir le direct bientôt. Tu repars au début, tu écoutes. Tu as compris? Je ne suis pas sur la paresse, savez-vous? Vous allez travailler. Pogofa. Mais pour maman, pourquoi s'attacher à quelqu'un qu'on n'aime pas? Ça s'appelle les liens d'âme. Soul tie. Et généralement, c'est des entités que tu as connues, que tu as tenues de ta mère. Ça fait que tu tombes dans les mêmes trucs. Tu pars chercher monsieur narcissique. Monsieur narcissique, narcisse. Je dis que derrière lui que tu tombes. Merci Sandrine, bonsoir. Donc tu fumes mon mouf. Donc tu fumes mon mouf. C'est pour ça que tu ne poses pas ta question.
Aujourd'hui, je parlais avec un de mes collaborateurs. Je sais pas, je lui disais que mais je comprends pas comment certains de mes employés, quand ils travaillent avec moi, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas. Il dit que toi d'abord là, tu es trop autoritaire. Quand tu, seulement quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un te voit, ça a son corps tremble d'abord. Oui. Pourquoi vous aimez toujours qu'on cache les choses sur vous? On a vous parlé. Tu as fait un rêve sur moi. Hein? Ah bon. Il y a des personnes que vous achetez mes produits, vous déposez sur votre table là-bas pendant 6 mois. Tu es en bataille spirituelle. Peut-être vous pensez que dès que vous payez, c'est facile même de mon côté. Il y a des jours, je me lève comme ça pour faire votre travail. Ah, les combats de ça. Ne pense pas que tes 50 000 que tu me donnes là, tu me donnes avec tes 50 000, tu attaches à ça même 4 esprits de ta famille qui te bloquaient. Donc tu me donnes ton argent avec tes malédictions. On ne pensait pas qu'elle coupe pour avoir votre argent. C'est pour ça que quand tu me payes, après tu commences à faire gnignigni. Je dis que pardon. Take your money. Prends ton argent. Prends tes malédictions. Ne me donne pas un mot de tête. Quand tu travailles sur un patient qui est insolent, il ne veut pas. Coupure de corde, c'était séparer de quelqu'un. Le détachement, c'était détacher. Vous savez quand même que vous êtes attaché, non? Hein? Beaucoup d'entre vous, tu es là comme ça, là, tu marches, tu es le zombie. Tu es le zombie. Tu ne connais pas. Tes choses ne marchent pas depuis 6 ans. Que non, c'est parce que mon papier s'est perdu à la préfecture. On t'a attaché, mamie. Oui ou non? On dit attaché en patois comment? C'est kiep. On dit kiep, c'est kiep. Ou c'est quoi? Que tu es attaché. Toi-même, tu ne sais pas. Tu te donnes les excuses. Ta carte de séjour n'est pas sortie depuis 4 ans. Ça ne te dit rien. Le problème de même percer, hein, c'est premièrement parce que vous êtes chiche. Deuxièmement, vous êtes dur. Troisièmement, vous ne savez pas comment organiser votre argent. C'est ça ce qu'on appelle le même percer. Le rituel de détachement, c'est un travail que je fais à distance. On ne te donne pas les produits, c'est le travail. Détachement, lavage à distance, il y a le lavage de déblocage, le lavage attirance, le lavage mariage, le lavage pour attirer son âme sœur, le lavage pour restaurer ton foyer. Quand on te montre quelque chose pour te prévenir, si on t'a prévenu de quelque chose de négatif sur moi, crois-moi ceux qui m'ont d'abord parlé. Tu me comprends, ma chérie? Si tu vas te regarder le film d'horreur avant de dormir, tu as vu mon visage sur tes horreurs. Mon cotignon. Cache, je l'ai dit cache. Tu vois mon nom, Reine Lumière là, parce qu'il y a la lumière sur mes choses. Et quand il y a un truc qui va arriver, si c'est mauvais, on me dit. Et moi-même, j'ai mes guides physiques. On leur parle. Oh, you, non. Oh, you, mamie. Voilà. Donc, ne te dérange pas. Parce que vous voulez faire votre truc là que ça ne marche pas avec moi. Ils n'ont dit waka with me. Ils n'ont dit waka with me. Ils veulent yinjo, même un peu. Même le petit de ça. Je ne me mets jamais dans vos vidéos ici là pour vous faire peur.
que non, oui, tu dois payer un service chez moi, ce que tu vas avoir. Je ne te fais pas peur pour que tu viennes. Jamais. Et je vous ai toujours dit, quand vous partez chez les gens pour qu'ils vous lisent, on ne vous influence pas avec la peur. Ce n'est pas la peur qui doit faire que tu partes voir quelqu'un pour qu'il travaille sur toi. Si c'est la peur, il faut laisser. Il n'y a pas ça dans ma maison. Vous comprenez? Parce qu'on m'a dit qu'il y a l'escamme ici dehors. Vraiment, tu es bloqué. Il y a ça qui ne va pas sur toi. Donne-moi 250 000. C'est pour ça que tu as peur. Tu es dehors. Il me faut 250 000. Moi, je vais même te chasser. Tu as compris? Je ne te dis que pas, ne fais pas. Si tu veux que si tu n'as pas la foi pour venir faire le travail chez moi, ne viens pas. Garde ton argent. Va manger le poisson brisé avec. Tu pars demain aux toilettes, ça sort. Comme ça, tu nous laisses tranquille. Voilà. Dépensez votre argent avec la foi. Pour moi, la foi, c'est la clé de tout. Tu as le problème de même PC. Qui t'a dit que tu as le problème de même PC? Vous dites, payez la dîme, vous ne payez pas, vous êtes chiche. Ne me racontez pas vos rêves. Je ne veux pas savoir vos rêves. Le rêve, d'abord, relève de la noisseur de tes idées. Il y a des gens qui font toujours les mauvais rêves. Toujours. Tu n'as jamais eu un bon rêve. Jamais. Les dons là, ce n'est pas tous les dons qui sont bien. Moi, vous connaissez. Dès que quelqu'un arrive, et si tu me présentes un problème, tu n'as pas la solution. Porte ton problème, tu pars avec. Ne me dis même pas. Oui, tu as ça dans ton corps. Tu as ça ici. Tu peux m'aider? Non, moi je ne connais pas qui peut aider pour ça. Tu m'as dit alors pourquoi? Hein? Tu as regardé le film porno. Tu as me dit maintenant qu'une femme, tu as rêvé qu'une femme te dit que tu fais l'amour avec elle. Hey, pourtant, quand même, ce qui est arrivé au rêve là, me dites, ne partagez pas vos trucs les plus tordus dans vos esprits là avec moi. Oui, vous connaissez. Tu ne fais rien avec ton agence parce que tu n'as pas de projet, chérie. Le détachement, c'est 30 000, papa. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu veux prendre le kit avec quel argent, allô, mamie? Au carré cap, tu veux payer kit pour quoi? Au carré cap, hein? Tu vas prendre l'argent pour me payer. Quand quelqu'un vient avec moi, que je n'ai pas l'argent, il dit, va te laver au sel avec le pipi. L'argent va entrer. Si tu ne résous pas ta première étape d'abord, tu laisses. Autant, si tu me dis, je te réponds, tu as posé quelques questions. Tu as parlé de ton rêve, non? Je remonte pour regarder les commentaires. Si tu as parlé du rêve, il te bloque. Vous venez vous faire rêver, c'est là pour me déranger. Tant d'abord, il te regarde. Piap, mes chiens. Piap, gosse. Le lavage âme sœur, c'est 10 000 francs. Il ne te voit même pas, mamie. Il te cherche, il ne te trouve pas. Il te trouvait, il te bloquait. Voilà, il ne t'a pas trouvé. Le kit pour attirer l'âme sœur, c'est un traitement. Méthode héritier, je viendrai en RDC. Je pars dans les pays par direction divine. Traitement pour l'âme sœur, c'est tout un traitement. Et beaucoup d'entre vous, parfois quand on t'éloigne de l'âme sœur, Dieu utilise les personnes qui te bloquent à son avantage. Pour que dans ça, tu cherches ta route. Beaucoup d'entre vous, vous avez mis le chocolat au-dessus de votre mission. C'est vraiment parce que le gars là tourne bien son truc là. Tu oublies ta mission. Tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus, tu ne fais rien. Ah, autant, si tu veux la consultation, je ne consulte pas pour le moment. Tu peux payer la lecture de cartes, même les cartes là, depuis peut-être même 5 jours, je n'ai pas consulté les gens. Pour vous allez venir me stresser.
Et depuis, tu ne m'as pas lu. J'ai payé depuis le 6 mars. Je n'ai pas lu les gens depuis le 6 mars. C'est bon, non? Anissa, bonsoir. C'est quoi le chocolat? C'est le mambo. Il y a plusieurs types. Il y a le mambo. Il y a le chocolat de 1000 francs. Il y a le chocolat suisse. Tes aïeux étaient de véritables sorciers. Comment les invoquer s'ils ont fait beaucoup de mal? Le kit fondation est bientôt. Le kit fondation sera à Abidjan demain ou après-demain. Ça va arriver à Abidjan. Donc vous pouvez déjà venir chercher. La consultation à Kinshasa, vous payez par Western Union. Sandra, bonsoir. Je ne consulte pas. Thierry, je ne peux même pas te consulter. Les gens que vous êtes faibles d'esprit, là, je ne peux pas vous consulter. Tu vas venir me vider l'énergie. Tu as constaté que tu noircis. Tu viens me dire pourquoi? Hein? Tu me dis pour que je fasse comment? On envoie à Paris par DHL. Pour l'identité, tu écris sur le numéro qui est dans la bio. 237 6 93 50 22 66. Il y a un lien de site internet qu'on a mis, on met depuis quelques jours. Si tu vas là-bas, tu cliques sur contacter nous. Ça va t'envoyer directement dans le WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup de scammers sur les pages. Je ne sais pas comment vous faites pour vous faire scammer. La page du scammer a 2000 ou bien 1000 abonnés. Une photo de profil, aucun direct fait. Tu arrives à partir communiquer avec le scammer. Autant, je vais te bloquer. Je te parle même pourquoi négocier avec toi, pourquoi tu te bloques. Le travail pour toi, que consulte-moi. Tu as trop de combats, que faire? Ton mari te fuit quand il a l'argent. Vous travaillez d'abord sur ton mari. Travaillez aussi sur toi. Tu as un esprit de rejet sur toi. Et lui-même, il a des entités familiales qui le bloquent. Comme quand il ne te donne jamais son argent, tu n'auras même pas l'argent pour travailler sur lui ni sur toi. Donc, on peut dire que vous êtes bloqué. Quand il faudra travailler sur lui, tu vas dire que tu n'as pas l'argent. Sur toi, tu vas dire que tu n'as pas l'argent. Sortez l'argent pour faire votre travail spirituel. Sortez l'argent. Faites ce qu'il y a à faire. Tu peux hésiter sur tout, sauf sur ton travail spirituel. Toi qui dis que tu veux devenir député de ta ville. Toi qui dis que tu veux devenir délégué régional. Modèle, je viens de dire à quelqu'un ici qui ne la consulte pas. Toi aussi, tu viens de dire que tu veux la consultation. Payez 20 000, on va vous mettre dans la liste. Je crois que dans peut-être 4-5 jours, je pourrais vous lire. Mais si vous payez les 20 000 là pour venir dans les lectures de cartes, ne me mettez pas la pression. Mes prédications, c'est pour les femmes seulement. Écoute, si tu viens, tu t'assois et si tu m'écoutes un jour, deux jours, ça ne te parle pas. C'est que ce n'est pas pour toi, chérie. Depuis là, je ne vois pas ce qu'elle dit. Jusqu'à j'ai dit que c'est pour les femmes. Je ne vois pas.
Tu veux le bain de pipi? Tu veux que je pisse dans la boîte, je te donne, tu te laves avec. C'est ton propre pipi que tu vas utiliser, ce n'est pas ma part. Pisse, tu te laves avec. Vous avez peur. Vraiment, vous avez peur sur ma page. Tout le monde a peur qu'elle va te bloquer. Pardon, j'ai mon guide qui m'appelle là-haut. Quand il m'appelle la nuit comme ça, là, c'est que j'ai des choses qui arrivent. Bon, moi, je vais vous laisser. Bye bye. Thank you.